Ensuite, du coup, ton short, parce que j'imagine que t'as un short dessous, j'espère. Ouais, ouais, voilà. C'est à tous, la team One de la folie, bande de Manguru. Alors aujourd'hui, tout simplement, SAP, tu vois, on demande combien coûte les SAP. On aura des Ibis, tu vois, des bons gars aussi, vous allez voir des gros prix. Vous allez être étonnés, franchement. Donc c'est parti, et je sais que ça marche très bien. On fera 10 000 parties. On fera au States, au Canada, au Japon, où vous voulez. Dites-nous en commentaire le pays où vous voulez qu'on fasse truc, et même la ville. On viendra dans la ville, dites-nous en commentaire. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Vous êtes d'où? Du Vietnam? Non, de la Chine. De la Chine, ouais. D'accord, ok. Du coup, on aimerait savoir du coup le prix des habits et la marque. Ouais. Alors, toi, tu es du coup une hypebeast, mais depuis longtemps ou c'est récent? Ça fait bientôt 3 ans. 3 ans, d'accord, ok. Ah ouais, c'est propre. Quand je suis arrivé au lycée. Ok. Du coup, on aimerait savoir le prix de tes vêtements et la marque. On va commencer d'abord par le gilet. Alors, le gilet, c'est un Bape Ape, ouais, qui se ferme jusqu'en haut. Yes. 405 euros que j'ai acheté au Bape Store, juste ouais, à côté. Ton t-shirt. T-shirt Uniqlo X-Cause, ouais, acheté en retail à 50 euros. Ok, ça marche, ouais. Ceinture off-white, acheté au bon marché au Stand Off-White, 160 euros. Ouais. Jean H&M tout simple, je dirais 20 euros, pas 20 plus. 20 balles, ouais. Et Yeezy 700 que je viens d'acheter, ouais, à 300 euros en retail. Ok, ça marche. Et ensuite, ton sac. Mon sac, c'est un Michael Kors, ouais, 275 euros en solde. Et la porte-monnaie Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton 475 euros au LV du bon marché. Et bon marché. Et sinon, ton portable, tout ça et tout? Portable iPhone 8. Donc après 700 euros, c'est 700-800, ouais, ouais, 750 je dirais. Et AirPods 175 là, okay. 160. T'as des bracelets ou quelque chose ou pas? Non, j'ai juste après mon ensemble Calvin Klein en dessous, c'est tout. Combien vrai bas, du combien? 120 euros en tout, le bas c'est 60 et le haut c'est 60. Ça marche, ok. Bon, en tout cas, voilà, je te remercie. Merci. Merci de montrer une paire, c'est parti. Du coup, c'est ma paire de Balenciaga Triple S. Voilà. Achetée à l'avenue Montaigne à Paris. Balenciaga, bon, la boîte c'est easy parce que la mise c'est easy, mais voilà, c'est pour vous prévenir au cas où. Voilà. Comment tu t'appelles? Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu es un hypebeast? On peut dire ça. Depuis longtemps ou c'est récent? Depuis pas super longtemps, mais ouais, depuis pas longtemps. Du coup, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un hypebeast? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être un hypebeast? Ouais. C'est qu'en gros, je traîne avec des personnes qui se savent vraiment plutôt bien. Ouais. Et à force de traîner avec eux, ça m'a donné envie du coup de moi-même mieux me saper. Mmh. Et à force de me balader, d'aller faire des magasins, je suis tombé sur de plus en plus de vêtements qui me plaisaient, de ouais, plus en plus de vêtements de marque. Et du coup maintenant, bah, on peut dire que je suis un hypebeast. Hypebeast, ok, ça marche. Du coup, nous on aimerait savoir du coup le prix de tes vêtements et la marque. On va commencer d'abord par le petit pull. Mon sweat, c'est un sweat, ouais, Supreme. J'ai payé 148 euros au Supreme Store, ouais, directement de Châtelet. Ok, le t-shirt en bas. J'ai pas de t-shirt. Ok, pas de t-shirt, ok. J'ai un caleçon Supreme si tu veux savoir. Ok, vas-y, montre, ouais, Supreme. Caleçon Supreme aussi. Combien? Que j'ai payé 35 euros les 4 à Supreme Store aussi, le même jour, okay, que mon sweat. Ça marche, ok. J'ai une ceinture off-white. Off-white! Que j'ai payé 160 euros directement ouais, j'ai payé tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, ouais, tout à l'heure. Ensuite, ton jean. C'est un jean Celio que j'ai payé 30 euros. Je l'ai payé parce que j'ai fait des castings de mannequinat et qu'il me fallait un jean noir. Ok. Slim, du coup. Ah, tu es mannequinat? J'ai fait des castings. D'accord, ok. Et ça a marché, ça va? Et j'ai les résultats dans un mois. Bon, ça va, tranquille. Voilà. Ensuite, t'es off-white. Ensuite, bah, j'ai une paire de Nike Air Force One off-white, ouais, que mon cousin m'a cop. Parce que combien? J'ai 170 euros. Ok. Voilà, il me l'a refait au même prix. J'ai eu de la chance. Parce que moi, du coup, je la voulais absolument. Parce que quand j'ai vu les posts de Camino TV sur, ouais, cette paire-là, je suis directement tombé amoureux. Ouais. Et je la voulais absolument. Du coup, j'ai pris des personnes. J'ai pris 8 personnes, 8 têtes qui ont tenté de l'avoir, ouais, pour moi. Il n'y a que mon cousin qui me l'a eu. Il y a 8 personnes, il n'y a qu'un seul. Ouais, ouais. Ah, sur tous les sites qu'on a fait, on a dû faire 5, 6, entre 6 et 8 sites, ouais, et il y a que mon cousin qui en a eu une seule. Putain, dans ma chaud, peinture. Hein. Voilà. Chaud, ouais, okay. Donc, des bagues ou des bracelets ou quelque chose? Non, j'ai une montre, une Apple Watch. Ah, tiens, Apple Watch. Apple Watch. La 4 ou la 3? La 4. Ah, bien, combien? La dernière. Je l'ai payé 430, c'était mon cadeau d'anniversaire. Ok, ça marche. Ensuite, bah, j'ai mes AirPods. AirPods, combien, ouais? Que j'ai payé 180 euros. Bah, c'était quand j'ai eu mon bac. Ok. Et j'ai un iPhone 8 Plus que j'ai eu à Noël il y a un an et demi. C'est 1100 balles, je crois, non? 800, enfin il coûtait 1000 balles allez, au moment où je l'ai eu. Voilà. Ça marche. Et ton collier, ton collier, ouais. Mon collier, ouais. Je l'ai eu pour 130 euros. Ok, ça marche. Voilà. Okay. Bah, je pense que t'as tout dit, hein, je pense. Hein. Et mes lunettes, 300 euros. Okay, c'est lunettes de vue. Juste pour avant, Wakanda Forever. Voilà, c'est pour le collier, pour le dédicace. Dédicace. Du coup, frérot, on aimerait savoir le prix de tes vêtements et la marque. Alors, ça c'est un New Balance, genre, je sais bah, pas, il a coûté 155 euros. Ouais.
T'as pas un truc genre en dessous? Non, hein, genre, en vrai, je suis sorti comme un balai, me balai, oui. Là-bas, je vais venir en short. Transpiration, attention, hein, ça va. Hein, les auréoles, là, bientôt. Hein, voilà, attention. Ça va, tranquille. Ah, c'est ton jean? Mon jean, c'est un Bershka, je crois, il a coûté 30 balles. 30 balles, ok. Voilà. Ensuite, t'es off-white. Bah, là, c'est les off-white, du coup. Bah, en fait, les off-white, je les ai pas achetés. Ah, on t'a offert, du coup? Non, en fait, j'ai eu un. Alors, j'ai une paire qui s'appelle une Human Race, genre qui coûte 300 balles, et je l'ai acheté à 130 à un mec. Genre, ouais, genre, elle était toute neuve. Et genre, je voulais l'échanger parce que je l'aimais pas. Ok. Et du coup, le mec avec qui j'ai échangé m'a donné ça. Donc, okay, ça coûte 700, je sais plus. Ok. Je connais pas le prix encore. Bracelet, donc, ceinture. Ceinture, j'ai une Tommy Hilfiger. Combien? 130, je crois. Non, 90. 90, ok, 90. Bah, je pense qu'on est bon, toi, tout dit, je crois. Hein. Ouais, ouais, c'est rien d'autre. Bon. Hein. À part le. Téléphone, bien sûr, ouais. Un vieux iPhone 7 plus. C'est combien? Genre 600 euros, 500? 700, je crois. 750, je crois. Ah, quand même, hein? Ouais, quand même, ouais. Bah voilà, c'est tout, je te dis ça. Ok. C'est bon ou pas? Salut Flo Lefeur. Salut, comment ça va? On te revoit encore une fois. Encore? Alors du coup, on aimerait savoir le prix de tes vêtements et du coup la marque. D'accord, alors déjà on commence genre par la chemise. Ça c'est Uniqlo avec Okusai. Du coup tu reconnais genre le Mont Fuji. Ouais. Voilà, du coup ça je crois que c'est à peu près 30 euros. 30 balles, ok. Du coup ouais, genre ça vaut le coup. Puis en plus Uniqlo, genre la matière elle est grave cool. Ensuite au niveau du t-shirt, ouais, c'est une espèce de soie, genre c'est assez cool. Puis en plus pour la matière, genre pour le prix Uniqlo, de toute façon c'est les meilleurs par rapport à ça. Du coup au niveau du t-shirt, c'est Supreme Anes. Alors c'est pas hyper rare, hein. Genre c'est les packs de 3 que tu achètes chez Supreme, je crois, à 39 euros. Ouais. Et de toute façon ça se retrouve sur Vintage, je crois, à 20 balles. Enfin, oh, c'est pas énorme. Va, okay. Du coup le collier, genre c'est un collier, je crois, à peu près à 15 euros. Ouais. Et à côté, genre bah du coup j'ai mis le truc de la ceinture off-white dessus, genre fait petit DIY pour un petit collier. Ok. C'est plutôt sympa, tu vois. Au niveau genre de la ceinture, ouais, du coup c'est une ceinture genre toute basique, tu vois, genre Bershka, genre 10 balles, tu vois. 10 balles, ok. Ouais. Au niveau du jean, pareil, je crois que c'est un pull and bear ou un Bershka, ça doit être, je sais pas, 20 euros. Ouais. Ouais. Ensuite, on passe aux chaussettes. Alors là, genre, tu peux faire tout le tout-tour. Hop, chaussettes Bape. Du coup, attends, genre, j'ai juste tourné. Elles sont tard, hein. Voilà. Ça, c'est 29 euros la paire. Ok, 29 euros la paire. Du coup, ouais, je les ai achetées l'autre jour, du coup, au Bape Store. Ok. Et du coup, bah, on passe genre la pièce maîtresse. Yes. Du coup, c'est les Human Race. Alors, celle-là, c'est le modèle Coral du pack Holi. Et en fait, cette paire-là, elle est inspirée tout simplement de la fête Holi en Inde. C'est la fête où en fait, on se balance des pigments de couleurs, de plein de couleurs en s'habillant en blanc. Du coup, c'est une collab en fait entre Adidas et Pharrell Williams. Voilà. Ouais. Et en fait, celle-là, c'est le modèle du coup Coral. Et en fait, non, il y a une inscription en indien. Ouais. Ça, c'est marqué Human. Et si je me trompe pas, c'est marqué Egality du coup sur celle-là. D'accord. En indien. Non, c'est l'histoire de la paire, mais c'est une paire assez cool. Du coup, au niveau des prix, ouais, je vais te donner les prix. Du coup, ça c'est 30 euros, c'est à peu près 20. Ça c'est 15. Et le truc, bah, je sais pas, c'est à peu près gratuit, on va dire. 30, 29. Et celle-là, on la trouve maintenant autour des 250-300, je crois. Okay. Moi, je l'avais acheté genre au resell, genre à la sortie. Du coup, genre, je l'avais payé peut-être 400 balles. Ouais. Mais maintenant, genre, elle cote bien moins cher. Genre, elle est bien redescendue. Du coup, maintenant, on peut la retrouver pour pas trop cher. Et du coup, ton phone? Du coup, mon phone, iPhone 7 Product Red. Du coup, acheté au shop, genre à la sortie, ça je crois que c'est 650 euros. 650 euros. Ouais, et les AirPods, du coup, bah première génération, et là c'est 170, je crois. Ok. Et tes lunettes? Tranquille. Lunettes Bershka, toute simple, ça c'est 10 balles. 10 balles, ok. Tes bracelets, du coup, vite fait. Bracelets, ça c'est comme la dernière fois, c'est on me l'a offert, et celui-là pareil. Ouais, ça marche, Flo Le Fleur. En tout cas, merci à toi, frérot. Hein. Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, suis sur Instagram, Flo Le Fleur, c'est important. Hein. Flo Le Fleur. On va commencer par toi. D'abord le t-shirt, bon, ça se voit, mais bon. Voilà. Alors c'est Tommy Hilfiger et je l'ai acheté 45 euros. 45 euros, ok, ouais, d'accord. Ensuite, du coup, ton short, parce que j'imagine que t'as un short dessous, j'espère. Ouais, voilà. Oui, j'ai un short dessous. Et combien? Je me souviens plus, je sais plus c'est quoi la marque, tu l'as acheté 30 euros. 30 euros, d'accord, ok. Ouais. Ensuite, du coup, tes paires. Alors c'est une paire d'Adidas, je viens de l'acheter. Et j'ai acheté, c'était combien, 120 euros, 140, d'accord, ouais, ok, ça marche. Ensuite, du coup, ton petit sac. Ah, c'est un sac Michael Kors, ah, on me l'a offert, ça doit coûter 250 euros. Ça marche. T'as des bracelets ou des... Tiens, bah tiens, tombé, oula, ouais, tiens, vous. On a un bracelet. Du coup, ouais, pourquoi les bracelets, ouais. Bah là, c'est un Dean Van. Ouais. C'est combien ça? 250 euros environ. Ça, c'est un Swarovski, je vois, 100 euros environ. 100 euros, ok. Et ces deux-là, on me les a offerts. Ouais. Du coup, je sais pas.
Et ça, c'est une montre close. Du coup, elle coûte 100 euros. 100 euros, ça marche, ok. Et du coup, les bagues aussi, ouais. Ah, la bague ? Ouais. On l'a offert, c'est une Swarovski, 150 euros, il me semble. Et celle-ci, c'est une histoire d'or, 30 euros. 30 euros, ça marche, ok. Okay. Moi, je pense qu'on a tout dit sur toi, je pense. De Bruxelles. Ah, de Bruxelles. Ouais. Ah, c'est bien, parce que nous, on aime les Belges. Hein. Ah ouais, Belgique. Les frites et tout. Du coup, on aimerait savoir le prix de tes vêtements et la marque. On va commencer par le t-shirt de Guess. Combien ? 50 balles. 50 balles ? Comme ça. Ton gilet. Petit gilet, c'est un Stussy, 160 balles. Ouais. Ton Joss. Un Ralph Lauren, 110 euros. 110 ? Ouais. Ensuite, t'es Off-White. Off-White, c'est une Hyper Dunk. Et je l'ai eu à 450, mais elle va un peu plus. Toi, elle vaut plus. Ouais. T'as ou pas sinon bracelet ou bague ou rien du tout? Non, c'est des petites bagues. Attends, combien? 10 balles? Ouais. Et ton portable, combien? iPhone, je suis sûr, iPhone. Ouais, un XR. Combien à peu près? 130. AirPods, non? Non. Pas d'AirPods, toi? Je les ai oubliés. Ah, j'ai oublié, ok. Et du coup, la valise, ouais. Combien? Oh, la valise, je sais pas, hein, je l'ai pas. C'est pas une Louis Vuitton, ça? Non, mais, merci d'avoir visionné la vidéo. On a dit en commentaire le prix de vos vêtements, les ça, portable, dites tout. Et le mec qui a le truc le plus cher, on va l'inviter à la prochaine vidéo. On va l'inviter. Parole de moi, Jacob. Ah, Jacob, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais preuve, hein. Ouais, preuve, t'inquiète pas, voilà. C'est bon.